Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Never Alone épisode 3 pour la suite du let's play de l'hiver et du let's play de Noël. Hop, tout va bien, je vais maîtriser. Hop. Non, je peux pas faire le... Je peux pas faire un saut mural depuis une corniche avec la petite fille, c'est pas grave. Oula. Les bolasses, c'est... Le problème n'a toujours pas été réglé avec les bolasses, hein. Oui. Alors là-bas, nous avons des pieux. Non, non, non. Ouh, petite fille. Tu fais des choses risquées. Tu tentes des choses risquées. Attention. Ne bouge pas. Ouh. C'est tendu. Donc la petite fille, on a dit qu'elle s'appelait Yuka. Diminutif de... d'un truc imprononçable. Non, 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 non. Voilà. Attention. Et hop. Yes. On est des pros. Hop là. Du coup, le renard va pouvoir se ramener là-haut. Attention. Attention. Olé. J'ai fait tout ce chemin pour une chouette. Yes, je l'ai eu. Eh ben très bien. Du coup, on replonge dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce que tu fais, renard? Viens, flocon. Flocon, tu fais n'importe quoi. Ouh. Il nage tellement vite, c'est dingue. Moi, je suis détendu. C'est assez contemplatif, mais c'est sympa. Bon, un point de sauvegarde. Ça veut dire que déjà, on est sur la bonne route. Non, c'est pas comme ça qu'il va falloir procéder. Ah, si. Si, c'est comme ça. J'ai compris l'astuce. J'ai compris l'astuce. Non, renard. Non, renard. Ah bah oui, de toute façon, les bolasses ne peuvent pas traverser la chute d'eau, je suis sûr. Ouais. Ils sont bloqués. Du coup, renard, peut-être que tu vas pouvoir faire quelque chose de ce côté. Hop, hop. Voilà. De ce côté-là, il n'y a rien. Et de ce côté-ci. Olé! J'ai trouvé la chouette. Bah, descends. Voilà. Il accepterait de venir de ce côté-là? Oui, il accepte. Du coup. Nickel chrome. Tac. Et maintenant le renard. Et ben il continue son sport. Hop. Hop. Olé. Bon, je crois que c'est... Non, c'est pas par là. Par là, il n'y avait rien, on a dit. Bon. Ah ah. Je me souviens de ce truc. Je crois savoir... Non.
je dois faire des manips chelous avec mes boutons si je veux pouvoir lancer les bolasses. Tac. Tout va bien. Personne ne s'est encore noyé sous des trompes d'eau. Très bien. Un jour, il se demanda, mais qui peut bien causer ce mauvais temps? Donc en fait, Yuka, dans l'histoire, ce serait un homme. Et là, on incarne une petite fille. Ouais. Bah, je vais t'appeler Yuka quand même, hein, tu m'excuseras. Performance faible. Non, mon PC va très bien, merci. Merci de t'en inquiéter. Ça va déjà mieux, tu vois? Oula. Non, ça va, c'est normal. Et le renard, lui, allez, grimpe. Voilà. Attention, attention. Flûte. C'est pas ça? Ah si, apparemment c'est ça. Ou alors peut-être que le renard et la petite fille n'ont pas les mêmes capacités de saut. C'est possible aussi. Voilà. On y arrive. Oula, oula, oula. On maîtrise. On maîtrise le slide, mon gars. Nuna peut grimper à l'échelle et le renard peut passer en dessous. Oui, bon, d'accord, elle veut pas. Du coup, t'arrives, renard? C'est non. Voilà. Une aurore boréale projette une lueur sinistre sur le village. Mais c'est joli, les aurores boréales. Oula, non, 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 non. Reste là. Attention. Tac. Olé! Et tiens pas la caisse, surtout, hein. Hop. Bon, je peux y aller ou pas? Non, je peux pas. Alors, attends, ce qu'on va faire... Je vais me mettre là. Et hop. Hop là. Pendant ce temps-là, toi, tu fais le tour. T'es puni. Tu m'as pas tenu la caisse, t'es puni. Oula. Bon, elle est assez grande pour atteindre cette plateforme, donc je sais même pas pourquoi je m'embêtais. On y est. Regardez les aurores boréales. J'admire déjà, merci. Oula salvette, vire de là. Et ben voilà, c'est génial. Je me suis fait avoir dès le premier tour. Il va falloir que je n'aille pas en Elaïtionic.
Donc à peine passée, elle revient. Ce qui fait que là on est peinard. Là aussi. Et là, tant qu'on fonce, aussi. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est pas grave. Toi, tu ne mourras pas. Bon d'accord, la fumée s'élève, c'est normal. C'est normal. Là j'avoue, j'ai sous-estimé les lois de la physique qui font que la vapeur s'élève. Non, du coup, non, Vincent, recommence pas la même bêtise deux fois. Merci. Et j'appuie pas assez longtemps sur le bouton de saut, et hop, le petit bond dans le vide. C'est pas grave. On va être patient. Moi, mon problème, c'est que je suis pas patient. Hop, hop. Oula, non. Et pff, et voilà. Ah, le problème d'animation qui fait que... Que Flocon regarde en attendant que je redescende. Bah, tu vas attendre longtemps, mon gars. Et moi aussi, je vais attendre longtemps. Il faut que je travaille ma patience. Voilà. Ensuite, nous disions, Flocon. Une fois que la grosse bestiole est passée, sois sympa. Hop, le saut mural, tu maîtrises. Hop, hop, voilà. Tu maîtrises. Je peux faire quelque chose ici? Non, il n'y a pas de corde attachée. Et par là-bas, ça m'a l'air d'être la suite. Du coup, je vais par où avec Flocon? On vient sur nos pas, c'est ça? Oula. Bon. Patience, patience. Hop, je suis caché. Hop là. Attention. Attention, retour. Olé, tu m'as pas eu. Là, je pourrais remonter, en fait. Plutôt que de me balancer bêtement. Tout ça pour une chouette. À moins qu'elle ne fasse partie de la suite logique de l'histoire. Olé. Et... Je suis tombé dans le vide. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave une seule seconde. Voilà. Patiente ici. Non. Voilà. Tac. Hop. Hop. Attention, attention, attention. Olé. Et olé. Tu mourras pas. Tu ne mourras pas. Bon, par contre, là, je vais devoir être un tout petit peu plus malin. Alors, c'était quoi mon erreur, déjà? Que je sois allé trop loin, trop vite, c'est ça? Oula. Oui. Effectivement, c'était ça mon erreur. Le bout de la plateforme n'est pas au bout de la petite planche qui fait le bord, c'est au bout de la... Ah, c'est sur la dernière planche et pas sur le bout du... la fin du bout de bois. C'est ça mon erreur, je distingue mal la fin des plateformes. Hop là! Hé, tu m'auras pas. Tac, 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 tac. Attention, cette fois-ci c'est la bonne. Très bien. Et hop. Ouais, et maintenant.
Je pense que c'était juste pour la chouette. Je m'embête pour rien à chercher une suite. Il y avait que la chouette d'important ici. Rien d'autre. Voilà. Ensuite, tout va bien. Ben, Flocon, tu suis ou bien? Olé! Oh, flûte. Je voulais faire le malin, j'avoue. Je voulais faire le malin. Désolé, Yuka. J'ai voulu faire le mariole. Tout est entièrement de ma faute. Hop. Très bien. Maintenant, hop. Non. Ouh, il faut que j'aille par où, moi? Ah ah, je l'ai vu, je l'ai vu. La petite corde. Oula, non, 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 non. Plop. Vite, 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 vite. Du coup. La corde, vite. Avant que l'aurore ne revienne. Ah. Je dois la pousser de quel côté? Par là? Ouais. Non, je suis obligé par là. Eh, il y a une butée. Non, non, me dis pas que je suis coincé. Je ne suis pas coincé. Je ne suis pas coincé, juste à moitié débile. Allez, pousse! Olé. Du coup, ça, je dois le ramener là en bas, je suppose. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est le seul endroit où il peut finir. Clac. Et étonnamment, celui-là est plus lourd. Non. Flocon. Flocon est safe. Flocon est safe et je suis safe. Non. Tout va bien. Tout va très bien. Attends, attends. Pas si vite. Pas si vite. Oula non. Bla 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 bla. Désolé. Je savais qu'il fallait pas aller trop vite. Je le savais. Avec la petite fille. Avec la petite fille, je suis sûr de pas aller trop vite. Donc là... Vas-y, dépêche-toi. 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 C'est bien. L'IA fait son travail. L'IA fait quand même un petit peu son travail. Vas-y, saute. Attention, attention. Mais... L'IA fait son travail que puic. L'IA fait son travail que puic. Et je sais pas si c'est moi, mais le vent souffle de plus en plus fort. Olé. Et mince. Bon, au moins, personne ne sera triste parce que tout le monde est mort dans le même trou. Désolé, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Je suis entièrement coupable et responsable de cet échec. Voilà, on va se mettre là. On va se mettre bien au bord. Hop. Ouh là là. Si tu me permets, je vais me manier. Non. Oh, 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 je pensais l'avoir esquivé. Parce que le vent est si fort des fois. Des fois j'entends le vent très fort, je sais pas si c'est un problème. Si vous l'entendez aussi ou pas. Je
Ouais, c'est bien ça. Oula, non. Flûte. C'est pas un bug, c'est juste que quand on s'approche de cette zone-là, vu que le blizzard devient plus fort, réellement. Bon, sauf quand le narrateur parle. Donc là, c'est une zone dangereuse, il va falloir avancer. Pas lentement, mais sûrement, surtout. Alors, je pose mon endroit là. Olé ! Et ben après la banquise qui me fait des blagues, maintenant c'est les maisons qui brinquent balles comme jamais. J'ai tellement de mal à avancer. Non, ça passe et ça passe pas. Ça ne passe pas une seule seconde. Oula. Allez, on y croit. C'est bon. Quand même des moments où il y a de vrais bourrasques qui te gênent pour de vrai. C'est bon, on les gère, on les gère. Il suffit de regarder quand est-ce que le vent part dans une direction et on sait que le blizzard va venir dans l'autre. Allez. Et flûte, non, trop greedy. Il fallait attendre. Il fallait attendre l'événement scénarisé. C'est bon, le vent s'est arrêté de souffler. Attention, attention. Ne te prends pas une planche dans la tête. C'est pas le moment. Pas après avoir trouvé la cachette de Gepetto. Et en être sorti surtout. On se remet tous les deux là. Très bien. Allez, Taïo. Attention, je sens qu'il va falloir se faire un saut de la foi. Oh, oh purée. Bon, je me suis pas retrouvé au bon endroit peut-être, mais. Oh, pas mal. Je sais pas si c'était prévu. Alors, vous êtes les esprits de quoi, vous, au fait? J'ai envie de dire des hommes mouettes. Je sais pas ce qu'il y a de plus avantageux, contrôler le vent ou la petite fille. Là, c'est la petite fille. Dans la tête, oui. Non, mince, j'ai un mauvais bouton. Pardon. Tiens. Et lâche flocon. Oh l'enfoiré. J'ai connu des pyro-barbares plus sympas que toi, mec. Beaucoup plus sympas. Oh, l'enflure. Eh ben, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout le tout-team. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ça peut pas se finir comme ça. C'est impossible. Il faut pas que ça se finisse comme ça. Pas la veille de Noël. Allez, à ciao, bonsoir.